On le sait depuis des années, les prisons sont au bord de la rupture. Après de multiples interpellations des associations des droits des détenus sur la situation carcérale, un nouveau communiqué de presse vient de sortir de l'Observatoire international des prisons, mais signé notamment aussi par Bruxelles Laïque, sur la situation dramatique de la prison de Saint-Gilles, où des détenus sont laissés en quarantaine, sans surveillance et sans soins. Cette situation de détresse touche évidemment de plein fouet les familles et les proches des détenus qui vivent dans un stress permanent depuis plus d'un an. Ils sont quelque part sous l'emprise d'un phénomène d'invisibilité. Et c'est ce phénomène d'invisibilité et les coûts de l'incarcération pour ces familles et ces proches que nous allons discuter ce jeudi 18 mars à 20h30 avec les personnes concernées. Un sujet rarement abordé et rarement traité par la recherche, la militance et les politiques publiques.